Bonjour tout le monde, coucou à toutes et à tous, ici je suis là, ma Cathy, je suis bien là. Première chose avant de démarrer, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi tout de suite si vous m'entendez. Coucou Nathalie, bonjour Cathy, bonjour Muriel, bonjour Karine. Alors, ok Cathy, tu lances une hola, mais avant tu me confirmes que tu m'entends bien. Coucou Patricia. Coucou Sandrine. Coucou Martine. Ah, super, c'est bon, vous m'entendez bien. Coucou Fatou. Ça y est, vous m'entendez. Bon, bienvenue tout le monde, je suis très très contente de vous retrouver. Nous sommes très contentes de vous retrouver avec ma petite Lily, qui se cache derrière sa petite manche. Voilà, elle ne se lasse plus de faire les lives avec sa maman. Moi, je suis ravie, je suis super contente de l'avoir avec moi. Coucou Patricia, t'as vu, t'as plein de coucou. Coucou. Tu parles plus fort parce que sinon, on va pas t'entendre, mais ça vient. Voilà. Coucou Marotine. Une hola pour Drin Drin. Alors oui, aujourd'hui nous avons la joie de retrouver notre petite Sandrine qui nous a rejoint aujourd'hui pour le live, pour notre plus grand plaisir à tous. Donc merci ma Michelle d'être là. J'espère que vous allez bien, on va attendre quelques secondes que tout le monde rejoigne le live tranquillement. Bonjour Claudine. Je t'entends. Ah, tu m'entends Claudine, bon c'est super. Coucou Isa. Il y a Cathy qui est en train de se lâcher sur les cœurs. J'adore. Bonjour Karine, comment ça va? Coucou Héloïse. Coucou Laurence. Super, je vois que vous arrivez tranquillement, ça me fait super plaisir. Bonjour Marianne. Coucou Sophie. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Coucou ma petite Titia. Tu vas bien ma belle? Nous sommes mercredi après-midi, il est 14h et comme chaque semaine, on se retrouve pour notre rendez-vous créatif. Coucou ma Mumu. Coucou Sandrine. Il y a un écho. Ah, ça, je ne sais pas pourquoi. Coucou Martine. Dis-moi Lily, riche raisin ou merlot magique? Oula. Qu'est-ce que tu préfères? C'est que du vin. Riche raisin, c'est du vert. Et merlot magique, c'est dans les tons de rouge bordeaux. Merlot magique. Merlot magique, Titia. Coucou Jocelyne. Coucou Mani. Coucou Marotine. Est-ce que tu vas bien, demande Marotine? Oui. Ça va. Elle est un peu fatiguée de sa matinée de travail. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Harmonie Marais, je suis démonstratrice pour Stampin' Up depuis janvier 2020. Et j'en ai fait, du coup, mon activité principale et je suis une vraie passionnée. Voilà, ça fait partie maintenant de mon quotidien et puis de la famille, vous voyez. Hein, voilà, vous en avez la preuve. Vous aurez une autre preuve aussi la semaine prochaine, vous verrez. Merci Titia, voilà. Moi, ma couleur préférée, c'est le violet. Ta couleur préférée, c'est le violet. Bon, ben voilà, vous avez la réponse, Cathy. Coucou Lucie, coucou Béatrice. qu'est-ce que je disais? Donc, oui, voilà. Donc, j'en ai fait mon activité principale. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire que il ne reste plus que 6 petits jours si vous voulez profiter la promotion qui est faite aux nouvelles démonstratrices. Donc rappelez-vous, en ce moment nous sommes dans la période du lancement à prix réduit. Donc vous choisissez pour 175€ de produit, vous n'en payez que 100€. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc si vous avez envie, de rejoindre ma petite équipe et puis de venir partager cette aventure, quelle qu'en soit la raison d'ailleurs, profiter des promos, partager une aventure humaine, avoir les petites indiscrétions de Stampin' Up, avoir les catalogues en avance, en faire une activité professionnelle, peu importe, eh bien, je suis là pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas. Coucou Maddy.
Oui, je sais, je sais. On a encore ces vilains marabouts qui sont là, je sais, comme toujours. Coucou Rachel. Donc voilà, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre cette semaine? Ah, je vous ai proposé un nouveau kit créatif. Donc, je vous propose pour le mois de décembre un album photo spécial petit budget, 20 euros hors frais de port. Tu me montres? Il est juste là avec la collection pain d'épices et bonbons, idéal pour vous garder vos souvenirs de Noël. Voilà, quelque chose de très simple. Il y a plusieurs pages qui s'ouvrent un petit peu partout, voyez. Voilà, voilà. Donc, je vous ai mis dans le lien en la vidéo, juste au-dessus, l'article, voilà, si vous voulez vous inscrire. Ça marche? Coucou Karine, comment vas-tu? Cathy Guérin, pourquoi Guérin? Je sais pas. Ma petite Cathy dit, n'hésitez plus. Oui, Cathy nous a rejoint notre équipe, qui a choisi Mumu, notre Mumu chérie, comme marraine. Coucou Simone. Merci Lisa, c'est gentil. Je ne suis pas longtemps avec vous car je pars dans 5-10 minutes pour mon cours d'équitation. Oh, tu vas faire une envieuse là, hein, Laurence. Parce que Guinée aussi est fan d'équitation. Tu mets combien de photos très précisément, je ne sais pas, mais je vais demander à ma petite Lily tout à l'heure de compter à peu près combien on peut y mettre de photos et on va te répondre très vite, ma petite Titienne. Alors, autre petite chose aussi, je vais vous remettre ça. Donc ça, c'est le kit 20 euros hors frais de port si ça vous intéresse. Voilà. Les inscriptions s'arrêtent le 29 novembre pour que je puisse commander début décembre le matériel, tout préparer et bien sûr ensuite vous les envoyer. Dernière petite info avant que nous commencions notre live créatif. La secrétaire est au taquet. Oui, elle est déjà en train de compter le nombre de photos. Oui, mais je sais pas. Intérieur, extérieur pour le volet. Oui, on peut mettre deux. Tu peux compter des deux côtés, il n'y a pas de souci. Muriel, tu y prends goût. Ah oui, tu réponds à Laurence pour son cours d'équitation. Oui. Elle a sûrement raison. C'est une grande passion, l'équitation, je crois, pour Laurence. Et du coup, pour Malini aussi. Oui. Chaque page, tu peux mettre une photo. Mais non, elle s'éclate. Du coup, j'en suis un petit peu perdue avec les commentaires, les photos, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah, mais si! Une information quand même non négligeable. Vous le savez. Coucou Corinne, comment vas-tu? Vous le savez, l'avantage, enfin, un des avantages des démonstratrices, c'est que grâce à Onstage, nous avons récupéré les mini-catalogues de janvier et juin 2022. Vous me direz, oulala, c'est loin. En même temps, c'est loin, mais moi, je suis en train de me dire que dans moins d'un mois, c'est bientôt Noël et j'ai pas vu l'année passer. Bref, toujours est-il que bientôt, je vais commencer la préparation des envois de ces catalogues. Donc, si jamais vous n'avez pas de démonstratrice et que vous avez envie de découvrir tous les petits trésors cachés dans ce mini-catalogue, mais également dans la brochure Celebration, eh bien, il vous suffit simplement de cliquer encore une fois sur un des liens que je vous ai mis en haut de la vidéo pour pouvoir réserver ce mini. Vous voyez, je vous ai mis la couverture. Ça promet d'être quelque chose d'incroyable et je vous assure que ce qu'il y a dedans l'est clairement. Voilà. Donc, vous avez le lien en haut de la vidéo si vous voulez recevoir votre exemplaire. Je précise surtout, si vous êtes démonstratrice ou si vous avez déjà une démonstratrice, ne remplissez pas ce formulaire. Votre démonstratrice, bien sûr, vous enverra votre exemplaire. Et si vous êtes déjà démo, Stampin' Up! S'en charge. Donc, attention à bien réfléchir avant de le remplir. Mais en tout cas, pour toutes les autres raisons, je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Voilà, ça y est. Nous avons fait le tour des petites infos. Je ne manquerai pas de vous le rappeler tout à l'heure et nous allons basculer maintenant pour notre live créatif puisque c'est aujourd'hui donc que nous faisons le lingot chocolaté. Alors,
Coucou Muriel, l'autre Muriel, j'ai plein de Muriel. Ah, et d'ailleurs, pour les chocolats menus que tu nous avais donnés dans le colis que tu m'avais donné, on les a déjà tous fait. Oui, mais il n'y a plus de chocolat, ils ont tout mangé. Ils ont tout mangé. Oui, les nouvelles démos crâne. Bah ouais, Cathy, elle l'a déjà vu, le mini-catalogue. Allez-y, on bascule. Le fameux lingot chocolaté. Ça va être compliqué. Non, mes clientes, vous ne remplissez pas le formulaire. Toutes les personnes qui sont déjà ma cliente, mes clientes, inutile de le remplir, je vous l'envoie, ne vous inquiétez pas. C'est déjà prévu, donc pas d'inquiétude. Alors, je veux commander le kit album. Comment ? Alors, Isa, tu t'inscris dans le lien et du coup, de toute façon, j'envoie un PDF et une vidéo enregistrée en pas à pas qui sera un lien YouTube. Donc, tu auras aussi, comment dirais-je, les sous-titres aussi. Donc, il n'y a aucun souci, tu peux le faire sans problème. Coucou Nathalie, comment ça va? Donc ce fameux lingot chocolaté, je trouvais le nom sympa d'ailleurs, une petite dédicace à ma petite brindrine que j'embrasse. Une petite boîte hyper simple à faire et surtout qui ne nécessite, je vous l'ai dit dans l'article, ni coupe, ni colle, oui, pour la base de la boîte. Vous allez voir, ça va être très simple. Alors bien sûr, la colle, la découpe du papier, bien sûr, vous en aurez besoin. Hein. Mais pour le reste, pas de languette à couper, pas de colle et tout, ça va être super simple à faire. Donc, elle va s'ouvrir comme ceci sur le côté. Ça me fait penser que j'ai pas sorti ma perfo. Je vais la récupérer après. Voilà, elle s'ouvre là. Voilà. Donc vous avez vu, on peut quand même y mettre pas mal de choses. Hein, parce que si vous voyez par rapport à ma main... Il y a de quoi faire. Hein. Hop, voilà. Et ça s'ouvre des deux côtés. Aucun problème. Elle est là, Drindrin, elle est là. Ici, une jolie découpe dans le papier argenté. Un message tamponné, embossé à chaud. J'adore, avec les poudres argentées, je trouve ça trop joli. Le ruban organza noir. Qui brille de mille feux aussi, qui est très joli. Et bien sûr, vous l'aurez reconnu, pardon, la collection Splendid Fantasy. Ah, je voyais le commentaire de Cathy concernant la question d'Isa pour le tuto, donc oui, il n'y a pas de souci. Cette belle étiquette, ma petite Sandrine, en effet, cette belle étiquette, elle est réalisée avec ces poinçons qui sont juste magnifiques. En plus, ils se coordonnent. Donc, ce sont les poinçons cadres décorés. Coucou Nati, bah alors comment ça t'es en retard? Ça va, belle? Trop joli, vraiment trop joli. En plus, voyez, donc on a le festonnet autour et on a toujours celui qui va à l'intérieur. Donc, c'est vraiment trop, trop beau. Cadre décoré, Muriel. La référence est 150-664. Ils sont vraiment, vraiment trop jolis. Je m'en lasse plus, en fait. Je ne m'en passe plus. Donc ici, cette étiquette-là, vous voyez, c'est celle qui est là, que j'ai découpée en argenté. C'est trop beau. Et puis, l'intérieur, sur lequel j'ai fait donc mon sentiment, eh bien, c'est celle-ci. Elle est coordonnée. Ce cadre ici va avec celui-là, enfin, avec ces deux-là, finalement. Voilà. Voilà, du coup, vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités avec ces poinçons étiquettes. Ils sont extra. Et puis, en plus, on peut les associer très, très facilement avec un grand nombre de sentiments dans nos sets de tampons. Donc, vraiment, ils sont géniaux. N'hésitez pas si vous ne les avez pas encore, parce que du coup, pour toutes vos créations, que ce soit des boîtes, des cartes, des albums, ça donne un effet super sympa, quel que soit le thème qu'on utilise. Les inscriptions se terminent dimanche, Isa. Alors, Maroutine, non avec mes chatons. J'ai deviné ta question, Muriel. Bon, ben voilà, j'espère que j'y ai bien répondu. En tout cas, que tu as toutes les infos dont tu avais besoin.
Splendid Fantasy, ne vous inquiétez pas, ça revient très 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 vite. On espère d'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc surtout, allez bien régulièrement sur ma boutique en ligne. Vous aurez justement vous verrez s'il est de nouveau en stock ou pas. Donc il faut y aller régulièrement et dès que vous le voyez, vous foncez parce que vraiment, cette collection fait partie des collections qui est partie, mais il y a une vitesse incroyable pour ce mini catalogue. Le sentiment, je vais te le dire tout de suite, Patricia, il vient du set de tampons. C'est pas celui-là d'ailleurs, je me suis trompée. J'ai pas pris le bon. Il est où mon set de tampons? Il est là. C'est celui-là. De pain d'épices glacé. Donc livraison de bisous rafraîchissants. Donc ça, c'est un set de tampons et des poinçons coordonnés qui vont avec la collection pain d'épices, justement. Et incroyable. Ils sont incroyables. D'ailleurs, c'est ça que j'ai utilisé. Cette collection-là que j'ai utilisée pour mon album. Donc, vous voyez les découpes comme elles sont jolies. Oui, et toi et vous. Oula. Oui, Nati, je pense que tu peux lui dire que tu t'en voudras pas, ma chérie, mais c'est bien. Ils sont vraiment trop, trop top, ces sets de tampons-là et ces découpes. Voilà, vraiment nickel. Puis là, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai utilisé un pioir de gaufrage, étoile et carré. Là, vraiment, ça donne un petit truc en plus, trop sympa. Pas du tout, ils n'ont pas commencé encore. Qui n'a pas commencé? Non, Patricia, tout va bien, ne t'en fais pas, tu n'es pas en retard. Donc voilà, ces sentiments viennent d'ici, je vais les réutiliser justement pour ma création d'aujourd'hui. Le papier Splendid Fantasy, je ne vous présente plus, vous le connaissez, hein, on est bien d'accord. Oui, je préfère, alors Nati te dit, oui, je préfère tu. Or, tac, j'ai le même âge que toi, ma puce. Bizarre, on a du mal à croire. Hein. Mes tampons ont déjà bien servi. Oui, 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 bien, bien servi. Mais tu comprendras pourquoi bientôt, ma Laurence. Avec Splendid Fantasy, on a bien sûr les tampons, les découpes. Je ne vous ai pas mis les sentiments, puisqu'en fait, lorsque j'ai commandé ma collection, très bêtement, j'ai commandé les tampons en anglais. Mais ils existent bien en français, ne vous inquiétez pas. Nathalie, tu notes la référence. Eh bien, écoute, parfait, note-la. Et puis, tu pourras aller sur ma boutique en ligne si tu souhaites les commander, bien sûr. N'oublie pas le code hôtesse. Voilà, ces magnifiques découpes. On a de quoi faire de très, très belles choses. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, je travaille encore une fois avec la collection pain d'épices et bonbons. Je suis à fond dedans, voilà. On passe d'un Noël un petit peu funky, je trouve, qui change et qui fait du bien. Et puis on passe un petit peu de temps en temps en Noël traditionnel aussi, c'est assez sympa. C'est moi qui avais dit ça. Ah, Cathy, non, ça va le faire, ma Cathy, t'inquiète pas. Reconnecte-toi, essaye avec un autre réseau, ou relance ta box, ou passe en 4G, tu vas y arriver, j'en suis sûre. Donc ces papiers, c'est du format 15-15. Voilà. Recto-verso, vous le savez, on a toujours les mêmes couleurs unies. Le code hôtesse, il est sur la vidéo juste... Attends, que je cale mon doigt. Là. Il est juste là, Nathalie. Tu vois? Le code hôtesse, tu le trouves ici. Rouge-rouge, vert-olive, couleur café et cidre à la cannelle. Et donc, bien sûr, coordonné avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le set de tampons, donc pain d'épices glacés et les poinçons, bien sûr. Donc, vous savez, si vous achetez le lot, vous avez 10% sur le l'eau, tampon, poinçon. Voilà, voilà. Bon cours d'équitation, ma petite Laurence. Je te fais plein de gros bisous. Profite bien, bien. Tu vas lui mettre des étoiles dans les yeux. Elle y va samedi après-midi. Alors, hop, je vais prendre mon matériel et puis on va commencer cette fameuse petite boîte lingot chocolaté. Mon petit chat, mets-moi ça à côté, s'il te plaît. Merci beaucoup. J'aime cidre, mais pas la table cidre, mais pas la cannelle. Et ben ma petite maritime, tu sais quoi? Moi, c'est pareil. J'aime bien le cidre, à petite dose. Mais alors, la cannelle, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Allez, c'est parti. Hop, vous aviez dans la publication de l'événement la liste du matériel dont vous aviez besoin
pour réaliser cette création. Mais bien sûr, on va vous redonner les mesures sans problème. Je pose toutes mes petites affaires ici. Alors, est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous avez préparé votre matériel? Allez-y, sortez tout. Hop, c'est le moment. On va démarrer tout ça. Ma petite Lily, est-ce que tu peux m'attraper ma petite perfo, tu sais, pas très longue, qui fait des petits cercles? Alors, est-ce qu'on peut mettre des Ferrero Rocher dedans? Dans cette petite boîte-là, écoute, on va tester. Hein, j'ai envie de te dire, ça va être plus simple. Donc, dès que Lily m'aura donné ma perfo, non, plus petite et pas festonnée, ma chère. Eh bien, ma petite Lily va aller me chercher un petit Ferrero, parce que je crois qu'on en a encore un ou deux cachés. Et puis, on va regarder, tout simplement, on va le faire en direct. Non, vraiment plus petite, ma chérie. Et moi, je vais prendre mon Stampin' Pierce. Hop, voilà. Alors, est-ce que tout le monde est prêt à démarrer? Alors, j'aimerais que ma caméra se décide, voilà, à faire ça correctement. Tu crois que tu as trouvé? Yes, nickel. Merci, ma chérie. Elle est partie chercher le Ferrero. Karine, on va te répondre très, très vite. Alors, on y va, c'est parti. On va prendre dans un premier temps donc le papier uni, hop, pour la base de notre boîte. Et pour cela, il vous faut un morceau de papier uni qui mesure 29 par 21 cm. Voilà, j'ai le son qui se met en route sur mon téléphone tout seul. Il n'y en a plus? Si, il y en a sous l'étagère, ma chérie. Ah, bon. Alors, entre deux cours, un petit coucou Harmonie. Je regarderai en replay. Oui, ma petite Gwen, pas de souci. Une vraie secrétaire et madame veut son café. Non, mais non. Mais non. Tu trouves mon chat? Non. Regarde bien, je suis sûre que tu vas trouver. Alors, on y va. 29 par 21 cm pour la base de votre boîte. Ok? Non, j'ai pas tout mangé les Ferrero, c'est pas mes préférés. J'aime ça, mais une petite dose. Mais peut-être que j'ai des petits lutins qui sont venus se servir de temps en temps parce que pour celles qui reçoivent certains de mes colis, vous savez, j'envoie des petits trucs dedans. Et je suis obligée de les cacher parce que sinon le stock il diminue à vue d'œil. Mais bizarrement, j'en mange pas, moi. Ah, ils sont sous mes yeux, dit-elle. Voilà, voilà. Allez, on y va, vas-y. Hein, déjà, pour voir si ça tient. Hop. Oh, bah alors là, nickel. Aucun souci. Tu peux peut-être même un peu. Alors, on va voir combien on peut en mettre, mais là, on est à 3. 4. Tu peux mettre toute la place. 5. Attends, celui-là, il est tombé. Hop. 6, oula, 7 et 8. Eh ben ouais, on peut mettre, Karine, pour répondre à ta question, 8 Ferrero Rocher dans cette petite boîte. Hop. J'ai toujours un problème avec mes... Voilà. Et voilà. Donc là-dedans, on peut mettre, pour information, 8 Ferrero Rocher. Voilà. Ça tient nickel. Pas de soucis. Voilà. Bon, bah voilà. Pas mal, non? Il y en a plus dans la boîte. C'était juste. Il restait que ça en plus. Hein. C'était fait pour. Hein. Finalement, on va peut-être les laisser dedans. Comme ça, ils vont être cachés. T'en auras un après, ma chérie. Allez, rapproche-toi. Ok. Voilà à peu près ce que ça va donner pour. Tu vas recompter, Nati, pas de problème. Bouge pas. Alors, je prends ça, je prends ma règle. Hop. Et on y va. Voilà ce que ça va donner, les plis que nous allons faire. Ok. On y va. Combien de bâtonnets Kinder? Non, mais ça suffit. D'abord, j'en ai pas. À mon avis, plus que les Ferrero Rocher. Alors, ça, c'est clair.
Ok, allez, on y va, on arrête les bêtises. Je prends donc mon papier uni, le bord court sur le haut. Hop. Et les chocobons. Non, mais je vous jure, hein, vous n'êtes pas croyables, moi. Et on y va, on fait les plis? Hein? Il y en a les chocobons. Les chocobons? Non, il y en avait. Ah oui, c'est vrai. Vous avez tout mangé, les deux. Il reste les Kinder Bonbons. Je parle pas anglais. Allez, on y va. Bord court, nous faisons un pli à 3,5 cm. C'est en bug, là. Hein? Attendez, bougez pas. Ben non. Ah, ça y est. Bah oui, mon téléphone, il était figé. 3,5 cm. Elles vont me faire le nom de tous les chocolats qui existent. Les Ferrero, les Smarties, les Kinder, les Chocobons. 3,5 cm. Et je retourne, je fais pareil de l'autre côté. Je vais partager le live au cardio, il va comprendre pourquoi je grignote autant. Ah, c'est de ma faute. Bah voyons. Et je fais à nouveau 3,5 cm de l'autre côté. Et les escargots l'en vain. Ben oui, Muriel, t'as pas oublié, t'es trop mignonne. Nathie non plus. Ben, les je sais pas, j'en ai pas encore acheté cette année. Je me retiens. Je me retiens, j'ose pas encore. Parce qu'une fois que je tombe dedans, c'est mort. Donc pour l'instant, je les ai encore croisés ce matin. Mais ils n'ont pas été assez rapides, ils m'ont pas arrêté. Coucou Gazelle de Lanzarote. Oh là là, profite. Hein. Vous avez du soleil, mon panneau. Ah oui, à Lanzarote, il y a des chances qu'elle ait du soleil. Ouais, tu m'étonnes. Il me semble avoir vu sur un transat siroter un petit cocktail. Pas mal, hein. Ah ouais, ben nous, il gèle. C'est moins cool. Merci ma petite Sandrine, parce que franchement, du coup, là, on retourne le papier sur le bord long. On vient faire un premier pli à 7 cm. Est-ce que vous avez tout à l'image? Ouais. Oh, Nathie, t'es pas sérieuse. Claudine, les marrons glacés, j'aime pas ça du tout. Par contre, mon fils est accro. Allez, on y va, on fait des plis, un petit peu de sérieux. 7 cm pour le premier pli sur le bord long. 10,5 pour le second. 18,5 pour le troisième. 22. Et numéro complémentaire. Je suis un peu énervée aujourd'hui, c'est pas bon du tout. En fait, je suis allée encore chez le dentiste ce matin et heureusement ça a démonté. Mais ce matin, c'était pas la même. Du coup, je pense que c'est la fin de l'anesthésie. Voilà. On a fini l'essentiel de nos plis. Il va juste nous rester, vous voyez, les petites diagonales à faire ici. Mais ça, je vais le faire. On peut le faire avec le massicot, pourquoi pas. Oh, mais donc, c'est galère. C'est plus galère. Ça dépend. Il y en a qui préfèrent. Ça dépend des personnes. Tu comprends? Oui. Ouais. Alors, je suis tombée sur un mur d'escargot en vain. Je marche tellement peu vite que ça m'a pris 10 minutes pour faire le tour. J'étais obligée de t'en prendre une boîte. T'es trop mignonne. T'es un amour. Ok. Trois pièces. De quoi? Je sirote un cocktail sous ma couette avec mon pyjama trois pièces. Demande-lui ce que c'est un pyjama trois pièces. Je suis sûre que c'est une bêtise. Alors, Claudine, oui, parce que du coup, on fait des bêtises, là, mais... Donc, sur le bord long, un pli à 7 cm, 10,5, 18,5 et 22 cm. Sandrine vous a remis les mesures dans les commentaires. Bonne visite, Gazelle. Profites-en bien. En général, les scrapeuses sont très gourmandes. C'est pas faux, Karine. Mais tu sais pourquoi? On est gourmande parce qu'on est généreuse et parce qu'on aime partager. Et du coup, bah voilà, on a des petits chocolats comme ça, on peut en offrir, puis on en profite en même temps. Et sur le bord court, 3,5 de la gauche et sur la droite. Ça marche, c'est bon pour les mesures? Ok, maintenant, nous allons venir faire donc des petites diagonales.
Donc, si vous regardez bien ici le schéma, donc on vient de faire tous ces grands plis ici. Et il nous suffit simplement, donc sur les petits carrés qui ont été créés ici, voilà, de venir tracer les plis en diagonale. D'accord ? Comme ça vous est indiqué ici sur le schéma. As-tu l'amour ? Voilà, le pyjama 3 pièces, c'est un tue l'amour. Mais... Comment veux-tu que j'explique ça, moi, maintenant ? Allez, je fais mes plis, mes petites diagonales, c'est parti. Je vous laisse le schéma ici pour que vous puissiez vous aussi le faire. Voilà. Donc, je prends mon petit outil. Hop. Je me sers, moi, de mon tapis Stampin' Pierce parce que, du coup, c'est vachement plus pratique. Bah non, c'est qu'une pièce. Alors, et la languette, quelle languette, ma petite Patricia ? Ne bouge pas, pas trop vite. Attention, avance comme moi. Il y a une languette. Il n'y a pas de languette. Ça, on est en train de le créer grâce aux diagonales qu'on est en train de faire sur le pli, en fait. Allez, hop. Je marque mes plis parce que cette boîte toute simple, on va encore mettre 8 jours à la faire. Je le sens bien. Hop, voilà. Normalement, avec le schéma que vous avez à l'image, ça doit vous aider. Ça, vous avez le sens, etc. T'as pas écrit 22 quoi, alors ? Bah, c'est des centimètres, ma chérie. Tu te doutes bien que c'est pas des mètres. Des millimètres. Des millimètres ? Non, ça ferait quand même petit, hein, parce qu'on part toujours de ce bord-là. Donc 22 mm pour arriver là, ça ne va pas être possible. Non. Ça va être compliqué. Hein. Tu vois, ça fait 8 mm. Hop, allez-y. Un petit peu de concentration quand même. Voilà, il n'en reste plus qu'une. Je suis obligée de me concentrer parce que je suis encore capable de faire mes diagonales dans le mauvais sens. On dirait toi ? Bah oui. Ah, mais avec toutes ces bêtises, là, les pyjamas 3 pièces, les chocolats, quand veux-tu que je m'en sorte, moi ? Hein ? C'est compliqué, hein ? Ok, alors dites-moi, est-ce que avec des petits cœurs, des petits pouces ou un commentaire, dites-moi si tous vos plis sont marqués, si c'est ok pour vous. Et si ça roule, si on peut avancer. Dans l'autre sens, tu t'es foirée. Eh non, je me suis pas foirée. Hein. Mais quelle chipie celle-là. Elle a eu peur. Hein. Oui, j'ai vérifié quand même. Non, mais j'en suis capable. Hein. Non, mais je te jure. Oh, la vilaine. Plus des chaussettes. Ah oui, les chaussettes, ça aussi, c'est tuer l'amour. Je suis bien d'accord. Je peux rigoler des bêtises depuis le temps que j'ai pas suivi un live. Oui, et ma petite Amélie, t'inquiète. Profite. On est là pour en profiter, pour passer un bon moment, pas se prendre la tête et surtout, oublier tout le reste et toutes les galères qu'on peut avoir. Voilà. Pendant cette petite heure-là, on oublie tout et on profite. Ça a l'air d'être bon. Je vois des petits cœurs. C'est tout bon pour Laurence. Plus de jamais. Non, ma biche, t'inquiète pas, la crop, c'est un souvenir passé. Voilà, tout va bien, je m'en suis remise, je me suis remise en question, et tout roule. En plus, j'avais même pas foiré, le problème, il est là, c'est que je me suis stressée toute seule. Mais là, vous avez l'air de vous amuser, de passer un bon moment, alors du coup, je sais tout ce que je demande. Alors, Zou, ben maintenant, on va simplement venir marquer nos plis. Voilà, tout simplement. Tous mes plis sont marqués dans ma tête. Bah oui, ça m'étonnait que tu scrapes en même temps, toi. Chippie, là. Je vais pas être trop mignonne, tu as tout fait nickel. Merci, ma petite Nati, t'es trop mignonne. Bah oui, mais bon, excuse-moi, mais vous m'appelez quand même mini-chef. Donc forcément... Bah, je me pose des questions, quoi. Ok, tous mes plis sont marqués. Voilà.
ça va, tu te rasseras avec les escargots, t'es pardonné. Ouais, je suis assez d'accord. Ok, ça va être tout simple. Ok, on va rejoindre comme ça notre boîte, tout simplement. Et en fait, donc, je vais quand même bien marquer ici mes petites diagonales. Voilà, pour que ça ne me fasse pas de blague. Au moment du montage. Enfin, parce qu'il y a la prof en chef, donc... Ouais, mais la prof en chef. Je te jure. Ah, la crop, on oublie, c'est pas ta faute, il faut que je s'en prie. Oh, chut. Cathy, s'il te plaît, un peu de tenue. Hop, allez-y. J'ai pas compris. Bah, c'est une histoire... c'est parce que, tu sais, j'étais un petit peu stressée pour la crop la dernière fois. Voilà, c'est tout. Donc, Nati était là, par exemple, Cathy aussi. Voilà, elles ont vu que... Tu sais quand je peux être stressée parfois, dans quel état ça peut me mettre. Voilà. Tout simplement. Hop. Ok, j'ai bien marqué mes diagonales. Donc, la boîte va... Ah bah, vous voyez, ça s'est fait tout seul. Ouais. Comme... Pas de sens. Ah oui, bah non, l'autre pas encore, mais... Voilà comment ça va se présenter. Nos petites diagonales vont rentrer. Hop. On lui donne le pli. Tranquillou. Voilà. Hop. Et voilà. Il manque le pilou-pilou pour Harmonie, n'est-ce pas, Nathie? Elle est très rouge-rouge ou rouge-carmin. Rouge-rouge, ma belle. Oui, mais avec la lumière, ça pète encore plus. Mais oui, c'est bien rouge-rouge. Je peux donner mon avis, Harmonie, s'il te plaît? Ton avis sur quoi, ma bichette? Oui, vas-y, donne ton avis. Pas de problème. Voilà. Là, on a notre boîte qui est complètement montée. C'est nickel. La seule chose qui manque, vous le savez, je vous l'ai montré, c'est pour faciliter l'ouverture. Ça bouge du coup. Ici, une petite perforation. Je vais vous montrer comment la faire pour faciliter, hop, l'ouverture. Donc, j'ai réouvre tout ça. Ah, ma couleur quand je suis stressée. Ah oui, c'est rouge-rouge. Je confirme. Ma préférée, c'est la noire. Je sais que t'es pas étonnée. Bah non, je suis pas étonnée. Bien sûr, je sais que ta préférée, c'est la noire. Donc, je réouvre ma boîte. Je défais mes plis ici. D'accord. Voilà. Et je vais venir perforer les deux petits bouts ici en même temps. Je prends ma petite perfo. Voilà. C'est un coup à se le prendre dans l'œil. Voilà, j'aligne bien, je prends mes deux bouts ici, noir c'est noir, oui, ça y est, on va se mettre à chanter. Je centre à peu près, hop là, et voilà, ça y est, mes petites ouvertures sont faites, et du coup, je peux recaler, hop, ma petite boîte. Vous voyez quand je vous disais, pas de colle, pas de découpe, ça c'est la classe. C'est pas la colle, la colle. Hein, non? Il n'y a pas besoin de colle, ma chérie. Comment on fait pour tenir ça? Ben, ça, on va le faire tenir avec le ruban. Tu vois, ici. Ici, ça tient juste avec le ruban. Mmh. Et tu vois, ça tient nickel. Il y a quand même 8 février là-dedans. Donc, franchement, ça va. Hein. Alors, une seule et unique fois par an à une seule et unique personne, c'est maintenant. Je te jure, elles sont folles. Allez, je plie ça correctement, là. Voilà. Bon, mon pli a décidé de me laisser là. Veux-tu bien, s'il te plaît? Voilà. Ah, il y avait quelqu'un qui avait demandé pour l'album de Noël combien on pouvait mettre de photos. Oui, exact, c'est ici. On peut en mettre 28. 28. À peu près. En considérant qu'elle a compté une photo par page carrée. Donc, si vous avez des plus petites photos, vous pouvez en mettre plus. Donc, déjà, presque une trentaine de photos, c'est plutôt pas mal, je pense. Tu te caches? Non, j'ai mal au dos. Alors, notre petite boîte est faite. Ça y est, ben maintenant, en fait, juste, on s'amuse avec la déco.
Pour cela, les deux bouts superposés sur le dessus pour la boîte. Les deux bouts superposés. Attends, sur le dessus. Oui, oui, c'est là. Oui, c'est ça. L'un sur l'autre. C'est ça. Ça se rabat l'un sur l'autre. Pour la déco, tout simplement du papier de matelas, du papier design, vous avez l'habitude. Donc, pour les côtés, le papier de matage, c'est 13,5 par 3. Bah, logiquement, il vous en faut 2. Hein. Je suis partie avec du papier doré qui est juste trop beau avec le Noël traditionnel, bien sûr. Donc, le matage. Le papier design, tout simplement 13 par 2,5. Donc, on est bien sur les côtés de notre boîte. Non, tu colles rien. Tu peux coller si tu veux. Mais en soi, c'est pas nécessaire puisque ça va être maintenu avec un ruban. Mais si tu préfères coller et ne pas mettre de ruban, alors oui, tu colles ici. Mais là, il va bien falloir coller ça, là. Harmony ou l'art est la manière de faire disparaître les Ferrero de toute la famille, ni vu ni connu. T'as vu ça un peu, la classe? Moi, j'ai eu pire, je me rappelle encore, je savais plus où j'habitais. Ah oui, les mesures, oui, 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 ça c'est sûr, ma Cathy, parfois ça a été un peu showtime. Alors, pour le dessus de la boîte, un papier de matage 13,5 par 6,5, pardon, j'ai pas entendu ta question. Je t'ai demandé si, mais ça, il va bien falloir le coller. Ah oui, les papiers de déco, on les colle. Mais je disais que pour la base de la boîte, en fait, on n'a pas besoin ni de découper des languettes et tout ça, ni de mettre de la colle. C'est pas indispensable. Après, pour la déco, oui, là, on n'a pas trop le choix. Et le papier design coordonné, 13 par 6. Je fais pareil en les mangeant la nuit, il fallait pas dormir. Ses parents qui planquent les chocolats. On fait tout ça, hein. On fait tout ça, parce que sinon, on n'a pas le temps d'en voir la couleur. Coucou ma belle Harmonie, j'arrive un peu tard, mais c'est avec plaisir de vous voir avec ta puce. Coucou Amandine, tu vas bien ma belle? Oui, c'est vrai, je t'ai loupée la semaine dernière. T'es arrivée juste à la fin. Et bien du coup, je vais juste coller mon papier. Voilà, je vous laisse les petites mesures là. Hop, voilà, donc ici, mon papier va venir ici. Oula. Même sans enfant, on cache les chocolats. Oui aussi. Allez, je vais essayer de coller ça un peu plus vite. Voilà. Hop. Vous avez vu, c'est super facile, hein? Ok. Merci Sandrine. Sandrine vous a encore une fois remis les... Comment dirais-je? Les mesures dans les commentaires. Donc pour les papiers de matage et pour le papier design. Alors, je répète, on est bien sûr hein, sur un... Là, on est parti sur une déco très traditionnelle qui change bien sûr de la première. Hein. Hop, je suis monstreuse, je suis la seule boulue à la maison. Même le boom est plus raisonnable. Heureusement qu'il me ressemble beaucoup, sinon j'aurais pu penser à un échange de la maternité tellement il est mignon et sage. Il compense la folie de sa mère. Alors, c'est pas grave, c'est mon mari qui mange tous les chocolats. Ah bah, ah, c'est compliqué, si le mari s'y met, je t'explique pas. Hein. Moi, ça va, le mien, il préfère le chocolat blanc. Et alors ça, c'est pas moi qui vais lui piquer. Donc, de temps en temps, il a sa petite tablette de chocolat blanc. Et puis moi, ma petite tablette, enfin petite. Il nous rien. C'est les grosses tablettes, là, avec les gros carrés de chocolat, avec les amandes dedans. C'est lait, praliné, amande. Ah, je suis en train de mettre la colle dans le mauvais sens. Voilà, chocolat blanc. Ah, puis alors, il aime chocolat blanc spéculoos. Mon Dieu. Là, il est tranquille. Hein. Je vais pas lui manger. Quoi? Ta puce est nous rien. Oui, quand tu arrives au paquet... Il est vide dans le placard. Oh, ça m'arrive souvent, ça. Mais pour tout, hein. Le gâteau, un jour, tu te dis, chouette, je vais manger, je sais pas, une petite madeleine, là, une petite madeleine au chocolat, avec mon petit yaourt. Ah, bah super, il n'y en a plus. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu.
Je te le fais pas dire, Miss Lily. Hop, voilà. Moi aussi, alors, le chocolat blanc, mais les autres aussi. Oui, j'aime bien aussi les autres. Moi, le seul qu'il aime pas trop, c'est le noir. Mais blanc, lait, praliné, il est comme moi. Mais son petit péché mignon, c'est quand même le blanc. Moi, j'aime tout, faut me tout donner. Chocolat. Oui, mais toi, t'es une grosse gourmande. T'es une sacrée gourmande. La poubelle est trop loin pour jeter des paquets, ils me disent. Amandine te demande quel âge tu as. J'ai 11 ans. 11 ans, elle a. Voilà, voilà. Elle est rentrée en 6e cette année. Ok, bon. Ça, c'est fait. Maintenant, le petit ruban. Qu'est-ce qu'il y a? Solidarité avec Lily. C'est partout pareil. Quand on veut, il n'y en a plus. Eh ben ouais, c'est ça. T'as raison, faut tout aimer comme ça. T'es sûre d'en avoir. Ça, c'est pas bête. C'est quand il faut faire le tri, laisse tomber. Hein. Merci, Amandine, pour ce joli compliment. Mon ruban. Hop, le joli ruban rouge-rouge. Qui est très, très sympa. Hop, je fais le tour. Et tout simplement, je vais venir faire un joli nœud pour maintenir tout ça. Et je collerai après mon étiquette par-dessus. Ça fera un deuxième maintien. Hop. Tiens, ma petite chérie, tu peux me tenir la boîte? Merci beaucoup. Ah, pour une fois, je vais moins galérer à faire les nœuds. Hop. Je vais recentrer après. Bon, en fait, c'est pas si pratique que ça. C'est rouge, rouge. Oui, alors, le papier design, c'est pain d'épices et bonbons, Amandine. Oui. Hop, voilà, on va resserrer ça un petit peu. Voilà, ça va bien sortir. Hop, je déteste faire les nœuds. Tissia, moi, c'est pareil. Hein. Et j'aime tellement pas ça que j'ai eu la bonne idée un jour d'envoyer des cartes à mes clientes où j'ai fabriqué le petit nœud dessus. J'en ai fait je ne sais plus combien. Avec les marque-pages aussi. Avec les marque-pages, mais là c'était un petit nœud tout petit que j'avais fait à coller sur le dessus de mes cartes. Avec une fourchette et tout. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Mon Dieu. Moi, je veux bien. Lily, tu viens m'aider à faire le sien. Ah oui, bah oui. Elle avait fait le sien, mais oui. Oui, mais elle appelle ça elle appelle ça un flot. Lily, ton chocolat ouais, préféré, c'est quoi? Moi, c'est bah tout. J'en ai pas de préféré. C'est ça le problème. J'ai préparé ma petite étiquette en avance. J'ai encore embossé à chaud, cette fois avec de la poudre dorée. Et j'ai encore utilisé, bien sûr, les cadres décorés. Mais là, cette fois, je l'ai découpé dans le papier spécial or. Vous savez, c'est le papier où il y a or et or rose. Donc c'est là-dedans que je l'ai pris. J'essaie de vous zoomer un peu, il brille un petit peu. Voilà, et le sentiment vient toujours donc de la collection par l'épice et bonbons. Ah non, faut choisir. Lequel je préfère? Ben, les Ferrero, t'aimes bien. Les Lanvin, t'aimes bien. C'est vrai que t'as pas de préférence. Non. Les Ferrero, les Lanvin, voilà quoi. Chocobon, c'est la base. Hop, je centre mon petit nœud. Et je viens coller, hop là, et voilà, ça y est, on a fini notre petite boîte. Vous pouvez mettre plus de déco, bien sûr, si vous voulez, hein, vous pouvez vous amuser, Cathy a dit oui, vous pouvez vous amuser à rajouter encore un peu plus de déco si vous voulez, bien sûr, mais voilà, du coup, j'aime bien en rouge aussi, hein. C'est sympa, hein. Voilà, ce petit lingot chocolaté en version Noël traditionnelle avec la collection pain d'épices et bonbons. Et ici, donc, on avait, voilà, un peu plus original avec Splendide Fantasy, un petit peu de noir. Les Lanvin, c'est juste pour harmonie. Non, moi, j'aime bien aussi. Maman, tu n'as jamais fait coup de remplacer les Ferrero par des choux de Bruxelles? Ah non, je n'ai jamais fait ce coup-là, non.
Nathalie, oui, effectivement, pour les collègues, le chocolat, c'est une bonne idée dans ces petites boîtes. Voilà, on a deux versions de Noël, mais complètement différentes, c'est assez sympa. La noire, tu la kiffes? En fait, la noire, si j'ai pensé à faire ça, c'est suite à l'album de Nati, de la Crop, donc l'album que j'avais présenté avec cette collection. Elle a rajouté un matage noir, et j'ai trouvé ça super joli. Et du coup, voilà, je me suis dit, tiens, je vais faire ça aussi, parce que ça rend super bien, et ça fait bien ressortir le papier. Je veux un sourire pour me réchauffer. Et en parlant de des trucs pour des chocolats pour les personnes et tout, notre prof de musique, nous, il voulait qu'on lui donne des chocolats. Ah, parce que quand on a signé un truc, il a fait « Ah, vous avez signé pour... » Parce qu'on avait tous pas envie de lire. Ouais. Il a dit « Bah, vous avez signé pour nous donner des chocolats tous les mois. » Tous les mois ? Ouais. Bah, on est gourmand, le prof de musique, hein. Ah oui, bonne idée, avant d'avoir une aussi. Alors, Maryse, coucou Maryse, je t'avais pas vue. Très jolie boîte, mais encore plus avec les chocolats. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu serais pas un peu gourmande non plus, toi, par hasard. Voilà les deux versions, donc, de nos petits lingots de chocolat. Enfin, petits. Je vous rappelle qu'on a fait le test en direct et on peut rentrer dedans 8 Ferrero chocolat. Donc, c'est plutôt pas mal quand même, hein, pour faire un petit cadeau. Ça vous donne un peu une idée de sa contenance, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on arrive à la fin de ce live déjà, j'ai pas vu l'heure passer, c'est incroyable. Alors moi je suis gourmande, mais de l'emballage, avec le diabète on fait attention. Ah oui, effectivement, Amandine, il vaut mieux faire gaffe. Pour celles et ceux, je vous rappelle les 2-3 petites infos que je vous ai données en début de live, au cas où. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas encore mes clientes et qui n'ont pas de démonstratrice, je vous propose de réserver votre mini-catalogue janvier-juin 2022 et la brochure Celebration. Pour cela, je vous ai mis le lien donc en haut de la vidéo, le formulaire à compléter. Pour celles et ceux qui auraient envie de réaliser hop, le petit album pain d'épices et bonbons que je vous ai préparé, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 novembre et pareil, vous avez le lien en haut de la vidéo pour vous inscrire. Avec grand plaisir Simone, merci à toi. Merci Marianne. Voilà pour l'album. Et pour finir, pour celles et ceux qui auront envie de rejoindre la team Harmony Scrap, n'oubliez pas la promo exceptionnelle de 175 euros de produits pour ne payer que 100 euros. S'arrête dans 6 petits jours, ça va passer très 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 vite, donc n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à toutes vos questions si vous en avez, et puis faites-vous plaisir, on est d'accord? Faites-vous plaisir, c'est tout. On revient vers vous quand même pour vous faire un petit coucou. On peut rejoindre même si on est déjà démo. Bah non ma bichette, tu parles de quoi? Pour le catalogue, non, mais pour le mini, pour l'album, le kit album, c'est un kit complet, 20 euros, hors frais de port, avec un tuto PDF et une vidéo pas à pas. Merci Malorange, j'espère que tu as réussi à finir ton deux, ma belle. Merci Fatou, bon après-midi à toi. On vous embrasse toutes les deux très très fort. Ah, ben j'aimerais bien ma petite Amandine, ça me ferait plaisir, mais tu peux pas. Je dis foncez à celle qui hésite. Merci Amandine, t'es un amour. Faudra qu'on se rencontre un jour quand même. Laurence, t'as réussi ton œuvre, bon, c'est cool. On s'accroche. Gros gros bisous à toutes et à tous. Merci d'avoir été là cet après-midi avec nous. En tout cas, nous, on a passé un bon moment. Hein. Oui. Ouais, on a bien rigolé. On a passé un super moment avec vous. Plein de bienveillance, de gentillesse, de rigolade. C'est comme ça que j'aime les lives avec vous. Donc, merci beaucoup. Gros bisous à celles et ceux qui n'ont pas pu être présents. Petit crapouillot, effectivement, t'as raison. Gros bisous à toutes. Coucou, oui, oui, oui. Gros bisous Muriel, Ticia, Rachel, Delphine, Muriel, Nathalie, Véronique. Oui, en replay, il n'y a pas de souci. Vous le savez, après le live, vous retrouvez le replay en vidéo, la fiche technique, la liste des produits que j'ai utilisés sur mon blog harmoniescrap.fr. Vous aurez tout d'ici quelques minutes, n'hésitez pas. Vous avez plein de liens aussi au-dessus de la vidéo, donc n'hésitez pas. Et puis, s'il n'y a pas de réponse à vos questions, bah, vous m'envoyez un petit message, ça marche? Allez, on vous laisse. Gros bisous, bisous, bisous à toutes. Bon après-midi, ciao, ciao.